Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, la partie c'est pas une coupe. Coucou tout le monde. C'est les modules. Ça dit quoi l'équipe? C'est son intro pour les vlogs. C'est ça ton entrée toute pourrie. Salut, retour. Je suis mort. Vas-y, refais, fais-moi une entrée de fou là. Je veux voir un truc. Il faut une musique pour me hyper parce que là. Ok, vas-y, bah. Tu veux que je mette quoi comme musique? Je sais pas. Ouais, il est de retour. Let's go. Ça va ou quoi? Bah, ça va mieux. La diarrhée, c'est fini. Ouais, la diarrhée, ouais. Première image du vlog, au revoir Yann, le frérot. On va pouvoir rebosser correctement dans de bonnes conditions, parce que j'ai pas pu pendant une semaine. Mais vraiment, littéralement. Bah, les gens l'ont vu, y'a pas eu de best-of. Du coup, on reprend cette semaine et ça va bien se passer. Let's go. Vous, ça va l'équipe? Qui a la chiasse dans le chat là? Ouais, Coco. Écoute, parce qu'on est pas à l'heure, okay. Non, mais c'est parce que. Tu sais pourquoi? C'est qu'il prend des forces parce qu'aujourd'hui, il va pêcher plein de poissons. Et il va battre le record de Dilsi. À savoir poissons. De combien de poissons Dilsi? Deux poissons. Et Corentin, combien? Ah, ça se fait pas ce que tu fais, Camille. Oh non, ça se fait pas. En dessous de la ceinture, en plus. Oh, je le sens chaud, là. Bon, c'est quoi le programme, Camille? Parce que là, on a du trajet. On part en voiture, là, tous ensemble, avec Amixem. Le blouson nous rejoint là-bas. Steph, il est déjà. Les équipes techniques, ils sont déjà. Donc, du coup, nous, on les rejoint. Le matériel sera prêt. Et ils partiront direct en formation avec Stan, et le moniteur. Steph, je crois qu'il a déjà fait des petits plans ce matin, un petit peu. Il a expliqué toute la prod et tout. Tu nous l'envoies? Et du coup, bah, pendant ce temps, chez Steph. Nickel. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon. Il est content. Son petit sourire là. C'est des youtubeurs maintenant. Tu me la refais s'il te plaît? Ouais, attends, je la refais. Tu t'es fait mal? En fait, genre, j'ai mal soigné un truc et le GP il m'a achevé. Ah, mais c'est genre, c'est directement arrivé après le GP? Ouais. Et attends, ça reste longtemps parce que du coup, le GP ça fait un petit moment. Ça fait vraiment 2 mois, ouais. Tu vas avoir besoin de force hein, pour choper les gros poissons là-bas. Bah, ouais, je sais que c'est de la pêche au gros. Attends, je suis ça, c'est un expert un peu, non? Non, pas justement. Tu vas pêcher des poissons, t'as dit? J'ai jamais pêché de poisson dans ma vie avec une canne à pêche. Ah si, putain, si, une fois. Allez, let's go. J'ai pêché avec des d'autres trucs, dynamite, trucs comme ça. Ah non, non. Ouais, c'est stylé en vrai, pêcher à la dynamite. Bon, c'est pas très truc friendly, je pense. Pas du tout. Je l'ai relâché après. Hein. 11h, on vient d'arriver. La barque l'étend, il va faire 28 degrés, un grand soleil, je suis trop heureux, j'ai sorti mon short de pêcheur. Et là on va s'installer, on a tout plein de matos, Stan il a son coffre plein, j'ai le coffre plein, et il y a le camion technique qui arrive, bah il est là-bas. Les deux camions techniques, l'équipe technique, on est parti. Moi je suis en train de tout décharger là, il y a le catering pour les talents, la petite bouffe, etc. Le matériel de pêche, les chaises, gaming, camping, pardon. Et là, tout le matos Décathlon, la régie, regardez, qui est en train de s'installer, et là on a tout ça de dispo, c'est trop cool. On est quasiment tout prêt, bon attendez, là j'avance pas ça, mais regardez juste la taille des leurres pour vous rendre compte. J'ai grave envie de pêcher. Voilà, je vous dis, j'ai grave envie de pêcher. Donc, on va aller voir avec Stan ce qu'on peut faire. Stan, t'as pas besoin par hasard que je teste les cannes? Si, j'ai besoin de savoir si c'est vrai. Tout ça, si les nœuds ils sont bien faits et tout, j'ai besoin de voir. Incroyable, en plus, il y a déjà les leurres et tout là. J'ai rien, je prends juste la queue là. La canne, ouais. Juste la canne. Oh, la canne et ma queue. Attends, on va se casser la gueule là, non? C'est ce que Richard me disait. Il y avait 20 personnes par an qui tombaient. À peu près. En vrai, 20 plus 2. Tu te souviens comment on fait pour lancer? Ah, mais ici on est semi-pro. A few moments later. Ok, les gars, premier lancer, je viens de coincer le truc. C'est bon? C'est ok. Ouais, j'ai pas voulu forcer parce que je savais que ça. Ok. Tu peux retirer que j'ai le réflexe nickel, s'il te plaît, pour qu'on m'entende bien? Il est parfait, franchement, il est nickel. Je change rien, je vais t'embaucher. Parfait, merci. A few moments later. Les gars, j'ai perdu le leurre de Stan qui valait 30 balles. Voilà. Ah, mais il a dit que ça faisait un bon crash. Test pourquoi? Pour voir si les nœuds tiennent bien. Ok, et du coup? Ils tiennent bien. Ok, mais je te dois un leurre. Ouais. J'ai niqué sur leurre, voilà. Bon, je sais que vous aimez bien quand on vous montre les petits aléas du direct et tout. Bah là, ils sont en train de faire les tests micro et les tests cam et le moteur est tombé en panne. Du coup, ils sont en train de revenir à la rame. C'est pas une vanne. Une de cette ambiance. En fait, j'ai touché, mais j'ai pas réussi à. T'as touché des bâtons ou t'as touché des. Non, j'ai touché aussi des bâtons et des âmes. Mais en fait, j'ai vraiment. Parce que en fait, tu sens, tu vois la ligne qui tire et un bout de bois, ça fait pas ça. Mais le problème, c'est quand même, toi, faut le faire quoi. Faut moi je suis anti ça quoi, c'est pas du tout parce que je suis un embaffé quoi, c'est vraiment parce que je. Non mais là c'est pas vrai, c'est dur là. Bah la pêche sportive c'est pas vrai, c'est. Ah c'est de la pêche sportive là. Bah du coup oui. C'est des poissons là. C'est des vrais poissons là. Non. Genre là si on fait de la mer on a le tacane et tout. C'est trop content. Tant quoi? Génial. Moi du coup la dernière fois, c'était la première fois que je pêchais de ma vie. Du coup je suis reparti bredouille, donc là aujourd'hui je veux vraiment pêcher un truc. Tu penses les poissons ils peuvent strip talk ou pas? C'est très bien que tu veux dire. Genre Streamac. Elle était vraiment bien et j'étais en mode strip talk. J'étais en mode ah c'est pas ça vraiment le dommage. Après on peut la doubler hein. Ce qui est l'avantage aussi c'est de faire les vannes dans la voiture dans le 5 minutes avant d'arriver pour faire les bonnes vannes quand ça tourne. Ah ouais. C'est comme ça que je fais moi.
qui voilà, nouvelle voiture à la Gotaga Corp. Ça va Élise ? Ça va et toi ? Ça va la route, pas trop long ? Ouais, c'est un nouvel iPhone ? Non, toujours le vieux qui fonctionne mal. Salut Coco, ça va ? Pas trop long la route ? Non, ça va. Ça a été ? Ouais, c'est cool. Ça va moi Alex ? Allez, multivers pour que tu reprennes le lot. C'est bon, on est reparti. Ça vous dit ? Ça va le boss ? Ouais, ça va bien, ça va les gars, ça filme. Bah, chaud ? Ouais, on est chaud. Hein. Chaud. Déjà, je me suis rassuré parce que moi, j'ai le mal de mer et là, je vois qu'il n'y a pas de vague. Non, ça va, il n'y aura pas de vague, ce sera bien. Je suis bien. Assez rassuré. Tiens, 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 ça commence. Il n'y a pas de toilette sur le bateau. Excuse-moi, on n'a pas prévu le yacht. Non, non, mais c'est au cas où, il ne faut pas que tu manges trop. Vous c'était ça l'épuisette pour que tu te rendes compte des poissons qu'on pêche. Attends, c'est vraiment l'épuisette pour les poissons. C'est l'épuisette qui partent sur le bateau avec moi. Et ça commence à se professionnaliser, t'as envie ? On arrive à rendre avec moi. T'as pris les deux campagnards du YouTube jeu, tu les as mis, tu les mets sur la lac. Des campagnards, mais qui n'ont jamais pêché. Tu me présentes un peu ou quoi, Steph ? Allez. Notre étang pour aujourd'hui, l'étang Idylle. Donc on a deux bateaux. Un bateau, bah tu vois, il y a tout le matériel de Stan qui est là. On se rend pas compte, mais il y a énormément de distance. Là, je vois plein de poissons, là. Donc on va. Là, y a plein de poissons, ça, c'est ce qu'on pêchait là-dedans. Bah, là, tu les vois, je pense, Alex. Là, ça graille, là. Je sais pas si on voit les petits pichons, là. Ça, c'est l'embarcation, les gars. C'est de là-dedans qu'ils vont être. Déjà les bateaux sont plus grands que le premier live pêche, il y a de la place là. Purée les gars, l'étang est énorme, je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Est-ce qu'il y a de la poiscaille là qui traîne un petit peu? Il y a de la bouffe pour les oies. Ouais, ouais. Allez, j'appelle mes collègues. Ouais, ouais. Là, ils sont pas trop chauds aujourd'hui, après là il fait beau, ils sont plus cachés, etc. C'est normal, hein. Il fait chaud. Ils sortent plus quand il pleut, etc. Il est prêt. Il est prêt. Regarde au loin. Il tâtait le terrain mentalement. Alors qu'en fait, mentalement, il est juste en mode, mais qu'est-ce qu'ils ont encore foutu ? Pourquoi je suis là ? Ah, son objectif, c'est d'empêcher un. Après, le reste, c'est du bonus. Ça lui va bien, moi, je trouve, ce rinté, tu vois. Je suis juste en mode RT. Ouais, ouais, non, mais ça tirait bien que tu possèdes un terrain comme ça, que t'es tes étangs, que tu sors pêcher le week-end avec la famille et tout. Oh, ah ouais, vraiment, c'est coco tout craché, quoi. Mais je sais pas, moi, je trouve que ça lui va bien. C'est un peu plus de PLI, je pense, mais... Une petite partie de ping-pong. Je te parie, attends. 1-0 pour Meta. Non, mais je fais un service qui rattrapera jamais et il est sûr de pouvoir rattraper. Je dois récupérer. Combien ? 5 tubs. Tu remets le service, c'est bon, c'est cancel, ok ? Ah, let's go ! Non, ça t'a triché là ! Fais ça. Oh, super, tiens. Karma, t'es chaud, t'as caché ton jeu parce qu'à l'échauffement. Ouais, c'était pas fou. Ouais, c'est bien, t'as un diesel toi. Tu me montres un peu l'install technique plus allez, ici, le stuffing. On a le coin de l'ingé son, on a deux ingé son. Il y en a un qui doit gérer toutes les antennes. Il y a des antennes un peu partout. Ouais. On a mis là-bas, là. Pour pouvoir permettre de répartir le son un peu partout. Donc là, on a l'espace réel. Moi, je vais mettre mon cul entre les deux pour surveiller tout ça. On peut dire t'as le cul entre les deux chaises quoi. Oui, c'est le cas. Les caméras des cadreurs, je te laisse montrer. Ouais, ça, je montrerai. Bête de compète. Oh, moi, ce qui me choque, c'est celui-là, là, viens voir. Ça, c'est pour la photo, je crois, mais. C'est bordel. Comme ils vont être loin, c'est un photographe sportif qu'on a. Ah, c'est incroyable. Il fait les matchs de foot et tout. C'est du 400 mm, voilà, ceux qui sont un peu dans c'est la... 400 mm, voilà, ceux qui veulent un peu les infos. Ça, et c'est un bête de objectif, mon gars. Ça, c'est ma fusée en... ta mère. Donc il y a du cadrage, réel, son... Un beau setup, quoi. Ouais, ouais, là, c'est des grosses prods. Alors, lâchez votre sub. Attention, hein, ça va sauter dessus, là. Normalement, ouais. C'est énorme. Ouais, les gros ils se ramènent quoi. Ouais, d'accord. Ah ouais. Oh là 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 là. Et c'est où que tu vas les emmener pêcher du coup ? Là, clairement, ici ils vont pêcher. Je vais me caler là en face avec le bateau, dans toute cette zone là. Là, c'est la meilleure zone là tout seul. Méga crédible hein, tous les trois, par contre vraiment premier degré, ça marche. Tu vois par exemple j'aime bien ce... C'est un arbre particulier qui fait pousser des écrans retouriers. C'est rigolo hein. On appelle ça un écran de retourier. D'accord, ok, putain oui, tu connais bien en plus. Pas d'autres vannes là-dessus. Franchement tu vois j'aime trop cet excès de technologie, cet excès de nature. Voilà. C'est incroyable. La nature vue par les parisiens. En fait moi ça me fait chier parce que je sais que je pêchais au training quoi. T'as sûr c'est pas là que vous pêchez au training hein. Là vous apprenez à pas vous tuer mutuellement. Il va pas nous laisser faire. C'est par là le tuto. En fait là, vous allez... pas lancer c'est ça. Du live parce que sinon vous allez griller vos cartouches en fait. Niquer le spot. Waouh. Là il est préparé depuis deux semaines le mais spot attends, là-bas. Coup, si tu loupes le spot après c'est chaud dans... En général ils viennent une fois ils reprennent pas. Le pire truc que vous puissiez faire honnêtement pour niquer le spot c'est taper des pieds dans la barque. Ça va faire des résonances de ouf, les poissons ils vont se barrer. Je vais vous former vite fait, il y en a pas pour longtemps. Comment lancer, comment ramener, comment pas vous blesser avec les trucs.
fait. Et petite précision, parce que Bouzy l'a dit tout à l'heure, évidemment on relâche tous les poissons. Ok les gars, là voilà le matériel que vous allez avoir. C'est assez léger. Ce qu'on va chercher comme espèce les gars, c'est du brochet. C'est un des plus grands prédateurs qu'on a en France et en Europe. Là ici, la taille que vous allez avoir, ça va être entre 40 cm pour les plus petits, jusqu'à 1,20 m pour les plus gros. Tout à l'heure là, il y a un monde où il y a 1,20 m qui sort de l'eau. Ça peut. Là tout à l'heure, là, j'en ai pas vu. Déjà honnêtement, si vous faites un poisson de 65-70, vous allez le sentir dans la cage. Déjà, si on fait un poisson, fin de la phrase. Faites super gaffe à vous sur le bateau. On n'est pas beaucoup sur le bateau, on a de la chance, le bateau il est quand même assez grand. Mais pour lancer les mecs, en fait, il y a un mouvement à faire, c'est qu'il va falloir passer le fil comme ça derrière. Oh là, bah oui, c'est là que t'accroches un pote quoi. Donc faut toujours faire gaffe. Vous voyez la cime des arbres là, les gars? Votre doigt, vous allez le lâcher au niveau de la cime des arbres. Tu lâches le doigt. Wow, t'as lancé très loin. On ferme tout de suite le pick-up et on commence à mouliner. Et la bam. Ok. En gros, tu verrouilles pour le remonter et tu déverrouilles pour. Ouais, super coco. Dommage, Max. À peine trop tard. Vas-y, Bouzy. Je pense que les lunettes, c'est pas mal pour éviter les accidents aussi. Ouais, Bouzy, tu lances super bien. Hein. Ta main gauche, tu la mets sur le talon de la canne. Ah ouais. Tu me feras ça. Wow. Okay. Ça, c'est le step up. C'est le niveau 2, ça. Okay. Tu sais, c'est comme sur Rocket League quand tu commences à faire des aériennes. Ouais, mais c'est bizarre. Ah, t'inquiète. Là, tu fais encore un tour. Ouais, putain, waouh. Ah, t'es passé platine direct là. Je suis passé flat. Ça, c'est instant là. Ça va toi, Max? Max, c'est un plaisir. Je peux faire ça toute la journée sans rien, je crois. Max, il y a plus de tuto là, il est en full tryhard. On va finir le tuto, on va falloir aller s'équiper et tout après. Il y a eu un truc? Il y a eu un petit à-coup, c'est normal? Ouais, bah c'est un poisson. Oh là là, Max. Max, le premier affairé. Jamais je rentre à Angers tant que j'ai pas pêché mon poisson, rien à foutre. Stan, tu nous montres un lancer parfait là. Mais c'est pas mal hein, ce que vous me faites, hein, les gars. C'est bien. Vous allez partir d'un coup net et vous allez vous stopper net. Tu te stoppes net. Waouh! C'est d'une fluidité, c'est la fluidité surtout. Plus vous partez vite et plus vous stoppez net, plus la canne charge en fait en énergie. Et quand tu t'arrêtes, bam, ça part. Hein? T'as vraiment, c'est tout ou rien quoi. Non, on a 10 minutes. Ok, si tu veux te qualifier en kilo quoi. Voilà. Okay. Pour roder la ligne. Hein. La ligne elle est froide. Ah ouais. Si tu pars comme ça avec le moulinet sans rodage. C'est des lignes neuves ou ça roule en ligne usée là? Le corps de ligne il est en 25 centièmes et le bas de ligne en fluorocarbone il est en 80 centièmes. Ok, ça me faisait parler français vraiment. Ouais, moi j'ai pris, je suis parti sur une Caperlan B12. T'as pris quoi? B12. Moi un. Ah putain, ouais, c'est audacieux. Franchement, je suis audacieux de fou. Et les points de corde ils sont travaillés? Points de corde. Les points de corde. Celui-là. Elle est pas mal. Ouais. À ressortir en live celle-ci, pas mal. Ouais, ouais. Encore de... Je sais, pour l'instant, le making of il est mieux que le live. C'est aussi parce que le live n'a pas commencé. Ça joue de ouf. C'est vrai. Ça la dégaine, putain, j'en peux plus. Ok, on arrête de déconner maintenant. Aïe aïe aïe, Max, wesh. Attention, je viens. Les trois debout à droite en train de pêcher, Max. Ce coup-ci, j'ai pas besoin de monter sur le bateau puisqu'on reste dans une zone fixe. Oui. Moi, je vais pouvoir me mettre juste là. Petite chaise de pêche posée. Ah, j'ai tout pris là, regardez ça. Ah, ouais, trop bien. Petite entrée Targo Tagacho. Que tu repartiras pas sans poisson, s'il te plaît, cette fois. Je repartirai pas, je sais pas si vous avez prévenu toutes les équipes, il hein, y a peut-être un monde. Max, il y a la crème solaire. Corentin va pêcher un gros poisson aujourd'hui. On s'est arrangé avec, Les poissons. Pas. Venez les gars, un petit peu plus de mais. Oula, Steph, il n'y a pas la place pour toi là. Pourquoi ça branche quand je vois? Steph, ça coule là quand t'es. Steph, vous insinuez quoi, excusez-moi? Allez, c'est parti, mon Steph. Là, il doit rester 20 secondes avant l'intro dès lundi. Yop tout le monde, je sais pas si on est en live. C'est Gotaga en direct live normalement avec Maxime qui commence à faire la manœuvre. J'espère que vous nous entendez bien. On est parti avec Bouzy, que vous le savez très bien si vous suivez ma chaîne, on a fait pas mal de choses ensemble. Oui. Notamment du Rocket League. Du Rocket League, pas mal, ouais. Ça y est, c'est parti les gars. On espère qu'ils vont pêcher plein de trucs sympas. Pendant ce temps, la réal est présente. Ah, allez, vas-y, mouline. Oh voilà. Non, non. Tranquille. Oh, t'as un truc. Voilà. Comment tu veux que je fasse ça? La vache. Ok. Oh-oh. Il a dit quoi ce fish monster? C'est quoi ce truc? Vamos. Let's go! Et voilà les gars, premier poisson par Amixem. Il a été remis à l'eau bien entendu. C'est ça l'avantage d'avoir Stan, c'est qu'il sait très bien quoi faire. Let's go! Un poisson. Parti sans poisson. Grenouille là. Bon les gars, Alex il a mis la caméra de vlog sur l'objectif à 12 000 euros là. Les gars, on fait step up le vlog hein. Le vlog en 4K. Monte sans trompe, vas-y zoom sur son trompe. Attends, je suis au max. C'est une vidéo, je crois que c'est en fait. Non, ça filme. Elle laisse pas tomber l'objet. Hein. Ah non, la vraie, je le tiens. Mais on comme... travaillé 3 ans pour rendre. Je le tiens comme si c'était ma vie l'objectif là. Ah, mais c'est incroyable. En fait, je pense que ça tremble de fou pour les gens. C'est trop dur de stabiliser par contre. Mais la qualité, gros, ça se voit, c'est propre. Ouais, je peux faire des plans comme ça là. Stylé ça, hein, Andreas. Question faite ça pour le vlog. Riez. Oh là, gars, là, c'est pas le sol là. Allez, tu moulines. C'est pas le sol ça, s'il te plaît. Doucement, tu prends ton temps. Il est gros. Il y en a un énorme. Mouline, hein. T'endors pas. Il en a un coco. Oh, il est énorme. Ouais. Allez. Oh, ça a penché tout le bateau. Ouais. Oh, il a sorti l'épuisette et tout. Les gars, on va mesurer. Excusez-moi, les gars. Il va sortir mon engin là. Wow. Non, mais il peut nous manger, fais gaffe hein, quand tu le sors. Hein. Attends, quoi? Oh, la taille. Wesh. Let's go!
Let's go, il a eu son poisson. 92. 92. 92, c'est pas mal. Comment tu prends par là? Ouah, t'as mis une gifle. Viens à côté, viens à côté. Ouais, non, mais viens. Viens, viens. Okay. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, il bouge pas de ouf depuis tout à l'heure. Tu es totalement serein. Il a un truc dans la bouche. Ah, il a un poisson dans la bouche. Il a bouffé un poisson. J'en ai chopé deux d'un coup. Mais lol. Mais lol. Lol. La surprise lol. Du chef. Ouais. Mais quoi? Il a bouffé mon brochet de talon. Quoi? Oh, c'est un truc de malade. Est-ce que dans le compteur on peut mettre deux du coup? 82 cm. 92. Bouzy aussi, il a quelque chose. Ça y est, tout le monde va avoir son poisson. Oh, j'ai un truc, les gars. Oh, tu fais quoi là? J'allume un. Au top. Merci. Parfait. Bien joué. Incroyable. Ouais, Bouzy. Let's go! Le live se déroule bien. Du coup, là, Steph, Camille et toute l'équipe technique est en train d'installer la suite du live. Ceux-là, ils vont bientôt arrêter de pêcher et ils vont venir se poser là au coin du feu, faire griller des marshmallows, discuter, etc. Donc là, c'est en train de tout préparer. Voilà. Le coin est plutôt sympa, hein. C'est chill, c'est posé. Avec le coucher de soleil, ça va être trop joli. Hein. Oh non, oh la vache! Oh bordel! Oh, il est énorme! Tranquille, tranquille! Stan! Tranquille, prends ton temps. Ok, il est pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a celui de Maxime peut-être dedans? C'est. Putain. Ça, tu te dis là, dans ces petits étangs comme ça, il y a des monstres, mon pote, là-dessous. T'as pas envie de mettre les pieds là-dedans. Hein. Tiens, tiens, tiens. J'adore faire ça, je suis un peu pyromane sur les bords, voilà. Ah ouais. Regarde, et en plus, je suis très fort. Hein. Mais ça, il y en a beaucoup d'allumes. Là, tu la tiens droite pour bien qu'elle prenne, regarde. Frérot, il y en a beaucoup des allumes feu, ça me fait un peu peur. Hein. Avec comme la technique, moi je l'ai prise en Fort Boyard celle-là. Ça doit tenir le plus longtemps possible la bougie. Ouah frère, ça va prendre feu de fou là. Oui, j'aime trop, ça me stimule. J'aime trop le mood comme ça là. Tu sais là, ça, là, ce plan là, c'est un plan de vidéo ASMR juste avec le feu qui crépite là. Le bras 38. C'est quoi ça? C'est l'évolution 38 du bras 0. J'aime bien, j'aime bien. Je suis mort, et là. C'est la gosse là, qui est en mode. Fais une photo, maman, regarde. Non, je fais un barbecue. Je sais pas si on voit. Mets le flash. Mais ça, c'est ça le ragondin, c'est un ragondin, je crois. Non, mais il est énorme. Avec ton tel, t'as pas le flash, frère. Attends, il y a un castor là qui est devant nous. Pourquoi est-ce qu'on vous a entendu? Au moins, on a entendu dans le retour de. Castor. Je peux plus parler, faut plus parler. Il y a un castor, les gars. Oui, c'est un ragondin, les gars, c'est pas un castor, vous avez raison. Hop, le chat, on vous emmène avec nous. Super. Oh, on rejoint la terre ferme. Bien joué, les gars, bravo. Merci, Stan. Bah, merci. Ah, le repos des guerriers, quoi. Oh là là, il y a des chamallows. Ça y est, les gars, ils sont descendus du bateau. Donc là, ça passe en mode bras zéro, discussion, chamallows. Là, toute la prod est autour. Je sais pas si vous voyez bien, désolé si c'est pas le cas. On a des cadreurs, des caméras plan fixe. Là-bas, c'est le bateau de la prod qui est en train de tout décharger, du coup. Ça se passe tout seul. Je sais pas si on est toujours en live. On fait des bisous, les potes, si jamais on est toujours live. On vous dit à la prochaine pour un nouveau live, tout simplement. Des bisous, tchou-tchous. Bisous. Bravo. Oh, le petit chamallow pour finir, voilà. C'est une fin de tournage. Ah ouais, ça avait l'air insane. Franchement, ouais. C'était incroyable. Allez, Steph, tu nous chopes là. Oui. Oui, faut que je bosse, je sais, Elise. Ah, les bonnes pizzas d'après live. Ça y est, ça fait quoi de plus être puceau des poissons là? Ça peut être fichot. Bah écoute, ah ouais, c'est trop bien. Mais syndrome de l'imposteur un peu parce que genre. Oui, bah. Full luck. Oh, ça se régale ici. C'est toi plaisir. Ça va, t'as aimé quand même, Bouzy? Ouais. L'ambiance était incroyable. Non, le poisson à l'intérieur du poisson là, mémorable lui. En plus, le fait qu'il le ressorte comme ça. Ouais, ouais. Le plan là, coucher de soleil là. Le cadre est ouf. Les photos de fou là qu'on doit avoir, on vous en met plein là. Tu sais qu'est-ce qui paraît, les gens voulaient qu'on travaille de ce qu'on parle et tout. Ça fait une bonne vidéo. Il y a de la matière de ouf pour faire un truc un peu. Ouais. Écoute, ça a pété de pire, hein. On a pu revenir bredouille. J'ai ouvert le bal, mais chacun a eu son poisson. Il pêche en premier, il commence à faire l'homme. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, le pire, c'est qu'il préchote. Il fait non, mais les gars, attends, je vais me remettre à pêcher parce qu'en fait, ce qui peut arriver, c'est que Gotha pêche, que Bouzy pêche des trucs plus gros que moi. Bam, ça arrive instant. C'est vrai. Mais rappelle-toi d'une phrase, une phrase de Stan, quand il y en a un qui arrive à pêcher, quand il y a un mec stylé et fort qui arrive à pêcher, il a pas tout à fait dit ça, mais non, en gros, c'est ça. Après, les autres brochets, ils attaquent ce qu'ils suivent. En fait, sans moi, il n'y a pas de vidéo, il y a pas de live, il y a pas de. C'est vrai, ça. Il a ouvert la voie, quoi. Ok, parce que vraiment pour Bouzy et moi, il a senti un truc que je sais pas si t'as vu. En fait, on peut voir la taille. Et il a dit aussi une phrase en mode, tu sais qu'il y en a qui pêchent pendant des années et qui ont pas ce que t'as fait quoi. Toi, il a pas dit, toi, il avait l'air de dire tout le monde pêche ça quoi. Là, c'est des moments où bah, j'ai pas forcément de répartie quoi. Ça, j'y croyais pas trop à ça. Ouais. Et après, il y a un autre gars qui est venu à la fin du live, gros pêcheur pro et tout. Vraiment? Et qui a dit, vraiment, c'est abusé 92, genre. Il y a vraiment des gens, genre, c'est n'importe quoi. Il y a des gens, ils font ça pendant des années, ils en ont jamais. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est réel. C'est pas que Stan, quoi. Le truc, en fait, c'est pas que Stan. Donc, je suis dégoûté, quoi. Mais fallait quelqu'un ouvre le bal. Comment ça, dégoûté? L'ego, la confiance en soi, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Enfin. Non, ça va, t'as eu ton poisson. Ouais, ouais, bien sûr. 92 cm, 10 cm. 10 cm, l'abus. L'abus, 10 cm. C'est un running gag.
blague. C'est plus on en parle, plus on descend. À la fin, c'est plus petit que la plaque, quoi. Vraiment, c'est la plaque qui a bouffé le boîton, quoi. Je suis mort. On passe la belle sur un autre truc, quoi. Ouais, d'où ? GP3 à chaque nuit ? Oui, il y a une belle affaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça, comme ça ? C'est vrai que c'est rare de vous avoir tous les deux dans des concepts, etc. En vrai, c'est. À part le GP. C'est ça qui est cool avec le GP. Moi, je suis dans le gaming, c'est tout. Et ils nous quittent tous parce qu'ils savent que le gaming marche plus. Tous des lâches. Pourquoi ? Tous des mecs des gaming se barrent. Je suis un des derniers rescapés, les gars. Ah, vous y un peu quand même. Ouais, c'est une chaîne secondaire, quoi. La team, désolé, on n'a pas pu filmer trop le retour, etc. Désolé, on est vite parti. Enfin, vous connaissez, on a dû tout désinstaller, tout ça, tout ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Nous, on est super contents du live. Corentin a adoré, les gars ont adoré, tout le monde a adoré. Donc voilà, j'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, eh ben c'est super. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. C'est parti. Bonne nuit. Alors, bon, déjà le match FIFA, moi je suis rincé donc. Il faut que je sorte de manettes en plus. Non, mais attends, on a plein de manettes en plus là. Moi je veux celle-là. Alors, non, par moi contre, je la veux aussi en fait. Pourquoi ? On la veut tous. Parce qu'elle est belle, vous êtes des bâtards. C'est la nouvelle, c'est la nouvelle. Ah, oui. Alors, vous avez kiffé l'info ou pas ? Ça revient aux origines, je la veux. Vas-y, en fait, c'est la couleur tard l'époque à Call of Duty. Attends, y'a qui joue à FIFA là, on fait 2 contre 2, c'est ça ? Bah, mais j'ai jamais joué, ça va être drôle. Faut qu'on soit contre, il faut que vous soyez contre. Pourquoi tu dis ça ? Parce que vous êtes éclaté et on est fort. Mais un bâtard. Andreas, il a fait 15 ans de FIFA, donc il a dit qu'il voulait me foudroyer, mais bon. Elle me va bien dans mes mains, celle-là. Ouais, mais Chifumi, Chifumi, je fais d'abord contre Evan, moi je fais contre Andreas et après on fait la finale. Pour savoir qui prend la manette. Chifumi. Chifumi. Ok, donc ensuite. Je vais l'avoir la manette. Chifumi. Ok, et là c'est pour savoir qui est la manette. Chifumi, c'est mort. Qui est la manette de fou ? C'est un vrai. T'as quand même l'autre, l'ancienne édition. Qui est incroyable d'ailleurs. Au demeurant. Donc les équipes c'est Yann et Evan, puisque toi t'es plus fort qu'Andreas. Ok les mecs, on va choisir les équipes. Eux ils vont jouer Lyon, parce que c'est des cracks et qu'il y a. Parce qu'on vient de Lyon en fait. Oui, on représente même si la saison est catastrophique. Le classement de Lyon à l'heure actuelle. Non, on prend Paris. Non, non, gros Paris. Vous mangez le cul. Allez, c'est parti. Oh la vache. Bah, j'ai la belle manette quand même. En fait, je vais vous fumer. C'est bon, moi je sens Evan. Il va prouver. Dommage. Là, il l'arrête pas. Un peu loin. C'est encore. Non. Tu tires dans le merde, oui. Vas-y tout seul. Avance encore. Tire. Oui, let's go. C'est quoi ce but de merde, frère? Premier but, let's go. Moi aussi, je veux. Ça, c'est du tir. T'as vu le tir ou pas? Il a pas tiré, c'est goal qui a trompé. Mais oui, vraiment. Pourquoi t'as le seum? Vas-y, Marc. Moi aussi, j'ai envie de. Mais toi, mais fais dépasser Mbappé. J'ai envie de danser le Kobe, moi aussi. Allez, faut passer de but là. Non, non, attends, regarde. Premier but de ma longue carrière. On gagne avec Lyon alors qu'on a pas mis un but cette saison. Bref. Je vais au centre. Oui! Oh le non, de merde! Non, pour changer de joueur en défense, c'est ça. Vous fumez! Bah, à mi-temps. Oh, le but avant la mi-temps pour le mental, là, ça fait mal. Là. Partout, tout se passe bien. Oh! Mais quel monstre! C'est horrible, j'arrive pas à voir. Il est trop dur. Le violet, le rouge, mais c'est trop dur. C'est pas la célébration? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est moi au foot. Ah, attends, y'a un carton. Ouais, l'animation, j'adore. Expire la sauce. Je fais la rêve, joue, frère. Non, envoie un chapeau au côté, jamais dans la, s'il te plaît. Il a fait péter un plomb, hein. Non, mais c'est. Je vais serrer là. Y'a Evan, il a jamais touché une manette de sa vie, là, il est mieux que toi. Oh, frère. Oh oui, là-bas, oh, oh. Non, il va remettre au centre. Bien joué. Non, dommage. Là, tu vois, parfait. C'est un bâtard de dire ça, moi, tu me niques ma confiance en moi. Là. Oh, ok, c'est bon. En vrai, quand c'est comme ça, tu as 3 flèches, je reviens derrière comme ça. Il y a pénalty. Ça a failli mal tourner. Quoi, il y a pénalty? Non. Ah oui, il m'a tiré dessus. Il y a rien. Oh, la tire de fou. Let's go. Yeah, putain, là. Je te bouffe, frère. Et on marque un but, on gagne. Voilà, frère. Ah, putain, deux plus. Attends, j'ai pas envie d'aller là. Là, c'est pénal. Non, c'est prolongé. Mais non, pourquoi vous avez cliqué si vite? Fallait faire péno, on avait le choix. Mais lui, il veut trop gagner sur une merde, là. Non, t'inquiète, on va marquer, Alex. Vas-y, c'est ton. Mais c'est vraiment un jeu de merde! Trop facile! Passe. Merde. Oh, dommage! Dommage! Mais y'a encore péno, mais je vais pas en plus! Tu le mets, ok? Tu le mets! Ça fait 2 péno! Mais quoi? Mais. Je ne comprends pas. Oh, le but de fou! Oui! Mais attends, ils sont inarrêtables, les bâtons, on est d'accord? Ça représente bien le PSG, ça! Les gars, oh, le tir de fou. Oh, c'est les pénaux. Oh, c'est les pénaux. Le pénaux.
par contre, faut qu'on plus petit. Pourquoi c'est tout le temps toi là? Let's go! Oui! Ah c'est ça là! Bravo! Parfait, parfait, parfait. Que ça, que ça. Que ça, bonne puissance à un côté, tu vois. Bien joué! Super! Il regarde ce que tu fais. Ouais, c'est vraiment un gros connard! Il regarde! Ouais, ça merde! C'est une grosse merde! C'est un fou! Là, c'est la merde. Si tu l'as. Ouais, faut que tu l'arrêtes. On s'est raté? On s'est raté? C'est parfait! Si tu l'arrêtes, c'est bon! C'est au milieu, c'est au milieu. Bien joué. Ah, c'est sûr que je peux pas l'avoir. Là, là tout se joue là maintenant. Oh. Allez, tu le mets. Pitié, pitié. Oui, ouais, moi, je vais tuer. Je joue à FIFA, moi, gna 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 gna. Check-moi ça. C'est vraiment mérité comme match. T'as perdu contre Alexandre. Deux pénaux bien mérités. Si c'est ça parce qu'on a la manette, ça fait bien 50 gars 2023. On vous a fumé, allez, ciao les gars. Ciao, ciao. Attends. Maintenant, gros plan sur la tête de Yann là. Le gros nul qui a fumé FIFA toute sa vie et qui est trop nul. En plus, il a joué Lyon, une super équipe sur FIFA. Hein. Ouais, vraiment. Ça vient de chez vous, c'est 9 la trick. Non, mais c'est pas grave, Yann. Lâche pas les best-of en tout cas. Ouais, bah, je vais continuer. M8 sur FIFA, c'est pas maintenant. Par contre, j'en reviens pas en vrai, les pédos, j'ai trop le seum. Let's go. J'ai trop le seum. Ça, c'est grâce à cette manette, les gars. Scuff, c'est grâce à ça. Si vous avez la manette, vous avez des pénaux gratuits, apparemment. Vous... oui, oui, deux pénaux. Ouais, la team, regardez qui est là. Produit, quand même. Ouais, ouais, frérot. Yannikov, il est arrivé, il a fait ouais les gars, j'ai un truc à vous faire goûter. Gros, écoute, il y a des amis de ma famille et tout, ils ont ramené un jus de pomme, je l'ai goûté, je suis tombé amoureux, j'ai commandé 24 bouteilles. Quoi? Je me suis dit, je suis obligé. Apparemment, deuxième meilleur jus de pomme de France, quoi. Je suis mort, vas-y, allez, on goûte, frère, on goûte. Ça se voit, tu vois, il en met pas beaucoup, il a pas trop envie d'en perdre. Ouais, il veut faire goûter, mais il veut garder. C'est le nectar des dieux. Non, mais ça coûte pas cher, mais bon, ça vient de loin, du coup. Ça vient d'où? De Bretagne, je crois. Oh frère, c'est incroyable. En vrai, c'est trop bon. Ouais, c'est très bon. Moi, j'aime le jus de pomme. Moi, pareil. Mais il est bien sucré, tu vois. Non, et ils se droguent ça, les joueurs Fortnite en bas. Non, j'ai pas fait goûter encore. Grâce à ça va perf à Copenhague, les gars. Oh, il est somptueux. Après, je pense que bien frais, on peut m'envoyer aussi. Mais oui, il est pas frais, là. Enfin, il est moyen frais. Non, mais il est bon. Ched. Toi, t'aimes Evan? Ouais, c'est super bon. Wesh, ça se gratte les fesses. Yo la team. Salut la Yo team les gars. Distancielle. Bon, c'est parti, petite réunion d'équipe avec l'équipe distancielle. Juste ici, hop, ils sont là, ils sont beaux. Pour parler du mois d'octobre et les prévisions. Bah, c'est la météo. La Franche-Comté, chez les points général. Déjà, GG tout le monde, tous ceux qui ont participé de près ou de loin au live pêche. Je pense que c'est très bien passé, Coco était très content. J'espère que la vidéo sera cool. Coco, il est vraiment content du début de saison. On va essayer de caler le max de gros guests et de belles émissions. Ouais, ça serait bien de pouvoir avoir quelques guests qu'on n'a pas eu ou en tout cas qui font un joli coup d'éclat. Je sais que est intéressé et je pense qu'il y a vraiment une belle émission à faire. Je sais qu'on a aussi potentiellement une touche avec qui reste un personnage assez emblématique. Yo la team! Oui, j'ai des lunettes de soleil, mais c'est absolument pas le sujet. À ce qui paraît, il y a quelqu'un qui est malade ici. Il va se venger parce qu'on a raconté pendant une semaine qu'il chiait mou. Tu veux t'exprimer, Yann? Je ne prononcerai pas les mots, moi je suis pas. Ah, t'es pas dans ce Moi je suis pas dans la dénonciation, tu t'es vois. T'es pas dans ça. Je vais laisser ceux qui savent bien le faire, genre Alex. Pourquoi? Andreas, quand Yann y parle, tu peux mettre des bruits de prout, s'il te plaît? C'était pas quelque chose à dire. Caca mou, Yann? Léa, elle est malade, la pauvre, là elle est un peu clouée au lit. Léa, et donc, c'est pas la seule a priori. Ouais, Andreas aussi. Bah, Andreas, il a la diarrhée quoi. Ça justifie pour pas être là, c'était ouais, il a envoyé une photo à Alex tellement. Tu mens. Lavez-vous bien les mains ici, hein. Voilà. Moi je retourne à mon PC. Je voulais faire un petit timelapse de moi et Steph qui bossons, mais il vient d'aller chercher un café, je crois. Steph? Tu fais un café? À ce qui paraît, mes lunettes de soleil me vont pas, genre elles sont trop grandes sur moi. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, moi ça m'a un peu déçu parce que j'étais toute contente de mes lunettes et tout, je les ai fait faire à ma vue, machin. Et ils ont tous tapé une gigabar quand ils m'ont vu avec mes lunettes. Ça va Kimka, c'est ok? C'est bientôt le retour des Kardashians sur Disney Channel. Oui, ça a commencé depuis la semaine dernière. C'est Kimka, c'est pas Kimka, c'est Kimka. Mais tu sais que ma soeur m'a appelé comme ça dans son téléphone, avec la photo de Kim. Et ma mère, elle l'a appelé mon manager avec la photo de Chris. J'adore ce mood dans son téléphone. T'es Kimka? Oui, je suis Kimka. C'est comme ça. Bref, du coup, on m'a dit que ça m'allait pas. C'est pas que ça te va pas, c'est qu'elles sont grandes. Elles sont trop grandes, apparemment, mais c'est le but, c'est des lunettes un peu oversize, quoi, c'est le but. Si elles sont trop grandes, alors elles, on en pense quoi?
Mais c'est la mode. Vous avez un souci avec la mode en fait, c'est ça votre problème. Mais je dis ça, moi je mets des t-shirts de 2004. Bah, c'est pas nous qui l'avons dit. Hein. Oh, le peace sign, ça fait un peu 2004 quoi. Oh, wow. Personne n'a nié en tout cas. Au travail, au travail. On a des trucs à faire pour le live horreur. Moi je trouve qu'elles vont bien en fait les lunettes. Merci. Voilà, enfin, on va quelqu'un de... Ah, ça filme ? Oui. Pas ouf, c'est le mec qui retourne sa veste. Pas ouf, les lunettes, pas ouf. Je fais un timelapse. Enfin, j'en sais rien, c'est pas un timelapse, ça filme, quoi, mais... Tu... Le mec qui fait tous les signes qu'il connaît, tu sais. Je me dis, Oh. Ah, oh. Oh la vache. Putain, je te cachais, je suis dégoûtée. Oh, la vieillesse du boog. Ah, je me suis... Les genoux, frère. On en parle ça que tu pourra. Continues toujours à jouer au tennis et que tu continues toujours à perdre des 6-0. Je le tweet plus. Non, là c'est au paddle, ça fait 4 fois de suite, j'ai pas gagné. Putain. Mais... Yo la team, vous êtes bonjour au vlog. Yo, yo. C'est vendredi, y a pas grand monde aujourd'hui. Il y en a qui sont de mariage, il y en a qui sont off, il y en a qui sont en TT. Et Corentin a oublié de cut son stream. Donc on a essayé à partir de son bureau ici de cut le stream. Il est sur une page ending depuis quelques heures maintenant. Et sauf que bah il dort et donc on peut pas cut le stream. On a essayé d'ici, ça marche pas. Donc du coup, bah, je vais devoir rentrer à la maison pour cut le stream vite fait. Il suffit d'appuyer juste sur un petit bouton. Je vais finir ma journée en TT. On vous fait des gros bisous, on espère que le live vous a plu. N'importe quoi. On vous fait des gros bisous, on espère que la vidéo vous a plu. Sachez que demain, il y a le best-of. Et que lundi, il y a la soirée Minecraft où Corentin va élire les meilleures créations du serveur Bull Battle. Voilà, allez, gros bisous la team. Regardez-moi cette belle timeline. Est-ce que ce serait pas le best-of qui est terminé? Evan, tu veux regarder le best-of avec moi? Oui, je veux regarder le best-of. Pierre-Louis? Oui. Pierre-Louis? Oui. Bah, tourne-toi. Ah. Tu veux regarder le best-of? Non. Bon, bah, on va regarder à deux, du coup. Ouais, vas-y. Plus sérieusement, en gros, ce que je fais généralement quand le best-of est fini, c'est que je l'écoute avec un peu tout le monde parce que comme ça, je vois les vannes qui fonctionnent. Il était censé m'insulter! Mais il est trop gentil. T'es méchant, Pierre-Louis. Non mais oui, je vais regarder le best-of. Let's go! Ce qui est bien, c'est que de 1, je peux voir si les vannes fonctionnent. Regardez, bah attends, j'ai pas mis le son encore. Et justement, en parlant de son, je le mets pour la première fois sur les enceintes. Comme ça, je vois aussi ce que ça donne le son sur les enceintes. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est l'expérience viewer. Voilà, exactement. Parce que moi, je l'ai dans mon casque. casque. Et du coup, il faut aussi se rendre compte de ce que ça fait avec du son qui sort sur les enceintes. Donc, parce que on a les deux expériences. Il regarde sur la télé ou. Voilà. Donc, on va regarder ça. Vous avez intérêt à rigoler, sinon je vous. Ok, let's go. Le second joueur de cette équipe, je parle bien évidemment du petit prince de YouTube, ce que Weezy. On entend rôder au loin quelqu'un capable d'accomplir de grandes choses. L'ultime joueur de cette équipe, de Dwagby. Regardez-le tous, regardez comment il est moche, oh, comment il est nul, regardez à tout seul. C'est trop bien. Merci. Voilà, j'espère que vous avez kiffé regarder ça. Ouais, n'oubliez pas que demain, il y a le best-of que j'ai pas encore monté. Hein ? J'espère que vous passez un bon week-end. Parce que là, en gros, on est samedi, et demain, on est dimanche, et demain, il y a le best-of qui sort, sauf que moi, au moment où on est là, bah, je l'ai encore rien fait. Allez, à plus. Mais attends, ça tourne ou pas là? Oui, ça tourne. Ta-da-da, ta-da-da. Est-ce qu'il y a besoin de dire quel est l'endroit? Mon t-shirt est trop petit. On est tous réunis pour regarder les champions, les Worlds de Fortnite. Voilà. Il a dit, non, là, Dwok, c'est insupportable. Ah oui, c'est vrai.